Good morning. Life on Earth is dying. Everything has been reduced to a commodity, including human beings, a resource for enrichment and domination. Privatization of life, such as patents on seeds, vaccines, knowledge, is one of the major causes of today's exploitation, depletion, and destruction of life. As an agora of the inhabitants of the Earth, we have invited artists around the world to express their feelings, fears, hopes, indignations, proposals. Let's listen. Dignité, tout être qui a vécu l'aventure humaine est moi, Marguerite Yourcenar. Indignation, Polynice dénonce, on est en train de modifier génétiquement les abeilles pour qu'elles en modifient d'autres. La vie n'est pas un brevet. Personne n'a le droit de posséder un brevet sur la vie. Je souhaite que la prédation du vivant soit déclarée hors la loi. Malheur à une nation dont les sages sont rendus muets par l'âge et où les hommes vigoureux sont encore au berceau, le jardin du poète Khalil Gibran. Je refuse l'oligarchie imposée et je souhaite que la loi du vivant soit respectée et libre. Je suis libre. Indignation. يكون لوني أبيض أشقر أسود أصفر فأنا كائن شفاف مثل الماء ما أجمل أن أكون حرا مثل الهواء كي لا أعكر هذا النقاء فالإنسانية وحدها هي لوني تحت كل أرض وفوق كل سماء والحرية الجميلة هي هوية الأبدية دون دموع وشقاء فليدم الحب رمزا للحياة والوفاء فليعيش العالم منعما بالصحة عصيا عن كل وباء. Can I talk to God? Can he hear me? I have a problem here. They won't let me go on stage because I'm not vaccinated and I don't have the money for the vaccine. Oh, you gave me my help for free. Free as the water that I drink and the air that I breathe. Free, Essa vacina tem que ser gratuita, pública e sem patente. É uma forma justa da saúde chegar no mundo. Aqui quem está falando é Maurício de Zumba, um artista brasileiro. La santé est un bien public mondial de l'humanité. Les brevets médicaux et ces marchés bénéficiaires incontrôlés mettent en péril le droit à la santé pour tous. Stop! 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 À la marchandisation lucrative des médicaments. Stop! 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 À l'appropriation par les grandes firmes pharmaceutiques des découvertes scientifiques sur le vivant. Bloquons! 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 La privatisation de la recherche médicale. Oui! Oui, 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 à l'utilisation des vaccins libres et gratuits pour tous les citoyens. Comme disait George Orwell, certains sont plus égaux que d'autres et ça nous on dit non, 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 non. Nous on dit oui, 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 au droit à la santé pour tous et pour toutes. Meu nome é Pablo Arruda, do Rio de Janeiro. Por uma vacina do Covid gratuita para todos.
Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito? Pela vacina sem patente, pública e gratuita. Eu sou Cida Reis, sou cantora, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Uma vacina para todas, todos, todes. Tem que ser gratuita, tem que ser pública, tem que ser sem patentes. Rui Moreira, artista, bailarino, coreógrafo do Brasil. Um ativista pela vida. Por um mundo mais justo e igualitário, vacina gratuita para todos. Eu sou Ana Luísa, do Rio de Janeiro. Une terre délétère, le Covid qui s'invite, l'argent qui tue les gens, la triche des riches. En tant qu'artiste, j'insiste, que l'on soit un pour tous, tous pour un, en faveur du bien commun. Tem de ser para todos. Tem de ser para todos. Deve ser para todos. Eu sou Inês Peixoto, atriz do Brasil, e estou aqui clamando por uma vacina que seja para todos, pública, sem patente e gratuita. Todas as noites, no quarto escuro, peço a Deus e aos orixás que a escravidão não volte nunca, nunca, nunca mais. Por uma vacina sem patente, pública, gratuita e universal. L'eau, c'est vivant, c'est un bien commun. Tout comme les graines, les semences, les bactéries, les bonnes plantes qui nous soignent. Je demande que soit interdite la marchandisation du vivant. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte, et vous choisissez l'heure sombre où la terre agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autre intérêt que d'emplir vos poches et vous enfuir après. Bon appétit, messieurs. Brevet du vivant. L'art ressemble au vivant, le système à l'arrêt. Nous comptons nos morts dans la solidarité. Le temps du changement à tous nous apparaît comme une aubaine en or nourrie d'humanité. Nous avons le pouvoir car nous sommes la masse. Devant l'appât du gain, changeons exactement nos gestes au quotidien car l'action dépasse l'ego démesuré de nos gouvernements. Nous n'avons le pouvoir que de choisir la paix. Prenons-la cette fois, confinés sur nos îles. Faisons cette expérience en liant l'intérêt de protéger l'humain au large des périls. Et pour ce faire, un projet est d'intérêt commun, car ce qui nous attend nous concernera tous. Ne perdons pas de temps, l'idéal, c'est demain. Car l'argent ne vit pas, mais la nature pousse. Car l'argent ne vit pas, mais la nature pousse.